2 Corinthiens 12, verset 7. D'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires. Pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharade tourmentée mon corps. Elle ne vient de Satan, qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. D'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmente mon corps. Elle me vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. 1 Corinthiens 12, verset 7. Frères, amis moyens, je rentre la caillou à midi ça, connaissance plus. Nous entrons la caillou. Nous entrons la caillou à Médissa. Connaissance plus. Nous saluons le monde. Nous saluons chaque monde qui parle écouter nous. Et nous saluons chaque monde qui prend le temps pour supporter nous. Et nous disons merci. Nous disons merci. Merci en pile. Parce que tu as fait un pile de bagages dans France à prendre l'heure pour regarder les vidéos, pour liker, pour partager. Tu as un pile. Parce que nous connaissons l'Amérique, temps is money. Mais nous-mêmes, nous connaissons les gens avant temps. On prend un petit temps pour passer les vidéos. Ça fait nous plaisir. Ça fait nous plaisir. Que bon Dieu bénisse. Que bon Dieu capable toujours faire route pour. Et nous n'avons jamais fait ça, nous n'avons jamais précisé au monde spécialement. Et nous connaissons un peu le monde qui travaille d'arrache-pied. Vous comprenez? Et le monde qui est capable de dire, c'est que nous. C'est que nous. Il y a travail d'arrache-pied, de supporter et de Dieu. Nous croyons que c'est bon Dieu qui va travailler ça après. Parce que ce n'est pas le monde qui prend nous qui fait ça. Ce n'est pas le monde qui prend nous. Pas famille, non. C'est famille, bon famille, non, dans Jésus-Christ. Bon, j'en frère, non. Bon, j'en sème, non, dans Jésus-Christ. C'est mon saillot. C'est pas entrailles, moi, non, qu'a fait. C'est les entrailles, moi, spirituelles, qu'a fait, yo. Regardez, regardez, l'on fait ça. Regardez, nous contents, pile, nous remet ça. Et quel bon Dieu content. Le Saint-Esprit, le Père, le Fils, en plaisir là-dedans. Eh bien, on a une connaissance plus et. Ma amie dit ça, et nous croyons que vous avez passé un bon week-end sous la protection divine. Et nous avons la caillou avec connaissance plus ça. Et nous avons ici parole à l'apôtre Paul qui parlait dans 2 Corinthiens 12, verset 7. Dit d'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires, pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui, telle une écharde, tourmentait mon corps. Elle me vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Avant de commencer, on compte ça fait qu'elle me contente ça. C'est parce que Jodia, son jour. Son jour, je me que et si c'est pas de présence de bon Dieu, je me sens bien dans la présence de mon Dieu. Mais si on joue, on t'a dû prendre pour m'applouer le Seigneur, on t'a poulé à tes seulement. Parce que si on joue qui gravé dans l'esprit, c'est jour anniversaire madame, moi. Vous comprenez? On t'a dit, madame, ça, où elle est là, Jean et figuille là, c'est comme ça en train de nous. On t'a capable de dire que si on conseillait, une femme, t'es capable de dire, une femme de prière, vous comprenez? Si une maman, nos amis. Et si je commence cette vidéo, ça là, ouais,
Nous t'a commencé aujourd'hui, mais pas jamais qu'a fini pour t'a expliquer. Ouais. Et c'est bien vite. Et tu vois que nous t'a profité fait live là sur bien vite, mais c'est pas ça, mon Dieu. Dis-moi, ma. Et si on joue inoubliable novembre 16, c'est un grand jour parce que c'est jour anniversaire madame moi. Et si on me senti que moins jovial, me senti que moins joyeux parce que moi senti moi très flatté parce que bon Dieu il fait choix madame ça pour moi. Et nous souhaiter que bon Dieu capable lui plus et opportunité, plus grâce, plus faveur, plus patience. Et senti madame qui est très respectueuse, très compréhensible. Et nous disons bon Dieu merci pour ça. Parce que bon Dieu, c'est bon Dieu qui est bon la caille. Ou même qui est jeune fille. Et je t'ai souhaité que nous encourageons pour étendre bon Dieu. Ou même qui jeune garçon, retourne bon Dieu. Parce que c'est bon Dieu qui bail bon bagay. Pas dit que double six amour sous dos, ouais, zanmi ou getan marié, et frère ou getan marié, ou avan, et l'autre getan marié, ou va faire excès. Pas toi précis, ou avan. Priez le Seigneur, c'est conseil pas pour moi. Priez le Seigneur a ba ou ça que vous désirez. Et madame là li si porté en pile il était capable de dire que nous vivons comme des pigeons là là dans pas pas mordé mais nous même nous pas jamais passé il est temps si nous gon ti bagaille dans 5 minutes nous pas résoudre for life depuis que moi me connais que moi madame nous pas jamais prend il est temps deuxième temps pour nous résoudre ça à résoudre là on et nous disons Dieu merci de ce qu'il va mettre nous ensemble, il va nous compréhension. Et nous parlons sur révélation et vision, songe. Et quelle différence que nous fait de révélation, vision et songe. Révélation, si révéler, dévoiler, faire connaître. Révélation, c'est un acte par lequel Dieu parle à l'homme. Et il manifeste son être caché. Il se montre à lui, témoigne de lui-même, se fait connaître. Dans l'Ancien Testament, la révélation est défini comme étant la communication faite par Dieu à l'homme, portant sur des vérités que l'intelligence humaine ne peut connaître par elle-même, ou encore sur des vérités qu'elle ne peut atteindre, qui est difficile par ses propres forces. Dans le Nouveau Testament, la révélation est surtout l'événement par lequel Dieu s'est fait connaître plus parfaitement aux hommes. C'est à travers son Fils Jésus-Christ que Dieu se révèle parfaitement. Révélation nécessite par le fait que Dieu est infini et que l'homme est fini. Dieu est infini que l'homme est fini. Le fini ne peut pas appréhender, apercevoir, avoir l'infini en dehors de la révélation. Et en Dieu et l'homme, il existe un fossé très, très énorme, ou je peux dire très beaucoup. Il existe un fossé qui est très beaucoup. Goethe qui dit, quand les hommes cherchent à connaître Dieu, autrement que par la révélation,
ils aboutissent toujours à l'idolâtrie. Comprendre? Quand les hommes cherchent à connaître Dieu autrement que par la révélation, ils aboutissent toujours à l'idolâtrie. C'est-à-dire que si vous cherchez à connaître mon Dieu, ou mon Dieu pas par la révélation, vous aboutissez toujours à l'idolâtrie. Et nous parlons de révélation et de révélation dans le Nouveau Testament. Par exemple, Paul te recevra un message dit, par révélation pour apporter message là à Galatie et même à Corinthe. Et nous voyons que comment Paul te rendit à Jérusalem par révélation tout. On t'a regardé dans Galates 2, verset 2. Comprendre? Et Paul te gagne connaissance mystère caché par révélation. Et c'est pour ça que nous connaissons bon Dieu en pile monde et par révélation. Comprendre? Et ça fait tout, qu'il y a une révélation pour Dieu de Baroua. C'est avec révélation pour Dieu de Baroua qui a mené au port d'ici. Pas douter de révélation, hein, pas brancher, pas faire aucun pas avec révélation ça. Et marcher et dans la clarté avec révélation ça. Paul te gagne un mystère caché de la révélation. L'on t'a gardé dans Romains 16, verset 25. Comprendre? Nous pas voulu faire trois références pour nous être capables de troubler parce que nous n'avons pas parlé où dans 2 Corinthiens 12, verset 7 qui dit d'ailleurs, parce que ces révélations étaient extraordinaires. Pour me garder de l'orgueil, Dieu m'a imposé une épreuve qui telle une écharpe. Tout manque mon corps. Elle me vient de Satan qui a été chargé de me frapper pour que je ne sois pas rempli d'orgueil. Et avec ce mio, Zami Moyo, dans la vision Dieu et Baye, apôtre Paul, c'est une excellente révélation. Vous comprenez? Dans 2 Corinthiens 12, verset 7, c'est des visions, mon Dieu, des bails, apôtre Paul, une excellente révélation. Je ne connais pas qui révélation, bon Dieu, bah où. Mais je suis capable de dire que, pas oublier, même là, qui bagaille t'a voulu sembler, songer révélation, bon Dieu, bah où. Ouais, des révélations, nous tendons et espère dans lesquelles Dieu s'est fait connaître à l'humanité. Pour moi, nous précisions ici deux révélations. Il y a révélation générale, Dieu communique à l'homme par des moyens naturels. Naturel, par exemple, nous avons une révélation dans la nature, nous avons regardé l'étoile, nous avons regardé la lune, nous avons regardé le soleil, nous avons regardé et bon Dieu, ça, tout pied bois, animaux qu'il créait, nous avons regardé bon Dieu, ça, son bon Dieu qui merveille, son révélation, bon Dieu, bah oui. Il y a un peu de référence qui est capable de faire, mais malheureusement, pour économiser temps, nous ne voulons pas vous troubler. Parce que si on connaît sans plus, vraiment vrai, mais nous ne pas vouloir vous troubler. Nous sommes capables de faire toujours le psaume 19, verset 1 à 5. Après la révélation de la nature, nous disons. Il y a la révélation de la conscience de l'homme. Vous comprenez?
Et le bon Dieu a révélé, il va où, il met dans la conscience, il révèle même dans la conscience. Il révèle dans la conscience. Vous comprenez? Il révèle dans la nature. Tout à dit, bon Dieu, pas existe, frère. Ouais. Là, dès que vous regardez la nature, vous comprenez? Le soleil là, on va prendre 5 minutes pour garder le réseau, pour garder. Ouais, les gros éclipses solaires. Qui ça va faire? Il ne faut pas garder le soleil là. Nous ne pas prendre là, oui, par contre, du marché. Comment? Tout ça, c'est la révélation de Dieu. C'est la nature de Dieu. C'est les moyens naturels. Ouais? Et bon Dieu, quand tu es le chita, c'est dans la conscience, dans le cœur même le chita. Comment? Si mon Dieu veut communiquer au bagage avec vous, c'est dans la conscience qu'il parle. Ouais? Et nous. Et vous avez un pile. Et référence à ce qui est le Pabaou, regardez dans Corinthiens 8, verset 7, pour voir, mon Dieu, c'est dans la conscience qu'il parle, frère, avec cela. Révélation, il y a révélation spéciale. Il fait à des moments spéciaux et à des personnes spéciales. Révélation spéciale, il y a révélation spéciale. Vous comprenez? Il fait à des moments spéciaux et à des personnes spéciales. Parce que la communication verbale dit à Moïse, les nous regarder dans Nombre 12, verset 6 à 8, nous voyons que le côté bon Dieu t'a parlé directement, comprendre, avec Moïse. Et nous voyons que là, c'est un moment spécial, c'est une révélation spéciale avec un monde spécial. Alors, regardez Moïse avec bon Dieu. Où est son monde que bon Dieu choisit? Où est son monde spécial de mon monde? Son monde bon Dieu choisit. Et nous regardons encore un par prophétio. Pour moi. Et par l'ourim. Donc, allez dans 1 Samuel, par les sons, et nous voyons que c'est des bagailles spéciales. Bon Dieu, toujours révélé avec des hommes spéciales. Donc, regardez dans 1 Samuel 28, verset 6. Et c'est des bagailles spéciales. Et ça fait que moi venu avec. Et sujet ça, parfois nous toujours confondre révélation, songe et vision. Il y a des bagailles, mon Dieu, baou. Il y a des révélations, mon Dieu, baou, c'est pour où le baou. C'est pour tête, il parle avant même, il parle privé avec. Comment? Il ne parle pas dire que quoi il dit ça, l'église. Il n'est pas dit pour aller dire l'église. Il n'est pas dit qu'il va avoir la commission. Il y a des choses c'est vous-même même. Il a besoin de parler avec. Et bon Dieu, bon Dieu, par des songes ou rêves, Dieu apparaît à Jacob dans un songe. Nous connaissons ça bien. Et Dieu lui paraît avec et avec Jacob. Jacob, c'est un homme spécial. C'est un homme spécial devant mon Dieu. Vous comprenez? Nous parlons encore de. Nous parlons encore de Joseph. De comment Joseph t'a interprété et songe Pharaon. Ouais, c'est un homme spécial devant mon Dieu. Vous comprenez? C'est une révélation direct, révélation spéciale, bon Dieu, de bail Joseph. Vous comprenez? Et si vous regardez dans Genèse 41, vous comprenez? Verset 28, vous apprenez comment? Et depuis dans verset 7 là, vous apprenez comment bon, Joseph sur un monde spécial, bon Dieu. Et pas oublier, nous avons gain connaissance plus et nous toujours. Et dans 2 Corinthiens 12, verset 7,
Et l'autre a regardé Daniel encore par des songes Nebuchadnezzar. Ouais, si on homme spécial devant mon Dieu. Daniel, c'est un homme spécial. L'on a regardé Jacob, Daniel, Robin. Et Dieu parle avec un pile de monde par des songes. Et vous l'avez regardé, et côté bon Dieu te paraît avec un ange te paraît en songe. Côté bon Dieu te paraît en songe avec Joseph. Côté bon Dieu te paraît en songe avec Joseph. Bon, il t'a parlé, il t'a bail et apparition de Jésus-Christ. Comprends? Et qui est un bébé qui pour une fête, comprends? Et côté où est que bon Dieu parlait en songe. Côté l'Éternel te paraît hein, avec Salomon tout, en songe à Salomon. Vous souvenez ça dans 1 Roi 3, verset 7. Côté bon Dieu t'a parlé avec Salomon. Et mon Dieu dit que dans le dernier jour, il y a bien des vieillards auront des songes. Ouais, dans le dernier jour, vieillards auront des songes. Bon Dieu t'a averti, Joseph, tout pour lui avertir dans le songe. Dans le songe que mon Dieu t'a parlé avec Joseph. Et Messia a bien pour lui, Messia a bien pour passer dans votre mari. Voilà. Et frère avec soeur, et fait qu'on est content parce que c'est ça nous voyons que dans le songe, on comprend, et dans la vision, regardez Daniel 2, verset 19, Dieu parlait à Daniel dans une vision. Une vision, pourquoi faire vision la nuit? Ou qu'a fait vision la nuit. Ou qu'a fait pendant coucher comme ça. Pendant et coucher et pendant ou j'ai au clair comme ça, bon Dieu qu'a montré ou pas. Dans Actes 10, verset 10, on voit ça. Comment Pierre te recevoir une révélation dans une vision. Une révélation. Dans vision. Et bon Dieu t'est parlé avec Ananias dans vision. Et l'important, et bon Dieu t'est parlé avec Corneille tout, vers 9e heure dans vision. Et nous, est que vision et songe, rêve, il semblait parfois lui au synonyme. Synonyme, c'est-à-dire que il veut dire même bagaille. Comment? Si vous voulez prendre vision, vous prenez songe. Ou bien, c'est action qui exprimait parler ou l'autre. On ne peut dire que il simultanément. Ou bien, il confond. Par exemple, dans Daniel chapitre 7, verset 1er, nous voyons ça, nous rapport à ça. Et l'Europe et Médiodune, nous avons toujours écrit référence, parce que nous avons toujours parlé, nous n'avons pas parlé selon nous-mêmes. Nous avons toujours bon référence de ça ici, parce que nous n'avons pas voulu la voie montée. Vous comprenez? Il y a pile référence que nous sommes capables de parler. Vous comprenez? Nous regardons. Dans Job 33, verset 15, il y a que vision avec songe, il semble parfois synonyme. Il a exprimé l'un pour l'autre. Il y a lié simultanément, il a confondu ou se confond. Et c'est ça. Et vision, c'est ça, bon Dieu, montrez-nous, dans façon surnaturel
à l'esprit aux yeux du corps. Comment? Aux yeux du corps. La vision, généralement, n'est pas toujours accompagnée d'une exaltation, d'extase. Et la Bible fait une différence entre vision vaine et la vision des prophètes. Et il y a une bonne vision et une mauvaise vision. Et on est très prudent parce que il y a des anges déçus, des anges de lumière qui baillent des songes, qui baillent des visions, qui baillent des révélations. Il faut que nous évitions pour ne pas confuser, pour ne pas faire erreur. Vous comprenez? Vision capable d'adresser au sens par l'intermédiaire d'un objet extérieur. Moïse, ouais, dans le buisson Adam, là, dans Exode 3, verset 3, il est capable de présenter nous uniquement à l'imagination dans le concours des sens. Ouais. Dans la vision, Moïse, lui est un objet extérieur. Pendant Moïse campé comme ça, alléluia. Pendant Moïse campé comme ça, bon Dieu campé pour la parler à Moïse. Non, buisson, arbre. Il est capable de présenter non seulement une imagination dans le concours de l'esprit. Ézéchiel te voit quatre êtres vivants. La vision. Regardez dans Ézéchiel, chapitre 1, verset 4, 28. On voit comment Ézéchiel te voit quatre êtres vivants. Enfin, que nous sommes capables de dire trois formes de vision, nous sommes capables combiné, c'est un phénomène naturel qui est capable de produire de nuit ou de jour. Ouais, vision, ou qu'a fait, comme on dit tout ça depuis au Kouyala, ou qu'a fait vision, qu'a produit de nuit ou de jour, ou bien jour. Et regardez dans 2 Corinthiens 12, verset 1 à 4. Voilà. Et la Bible fait nous mettre nous en garde contre les visions fausses et indique à quoi nous reconnaît l'inanité de ces manifestations. La Bible stigmatise le faux prophète. Il est condamné. Et regardez dans 1 Jean 4, verset 1, parce que nous dit que vous pouvez regarder avec un faux prophète, la séduire, la séduire. Pas oublier, non, parce que nous sommes toujours dans 2 Corinthiens 12, verset 7. Parce que tout ça, nous avons toujours voulu, pour toujours gagner un cahier de notes. Il y a quelques bagailles qui sont importantes. Il y a un verset qui est important pour ta vie. Songe ou bien rêve, c'est l'idée qui est présentée durant le sommeil. C'est le moyen par lequel Dieu manifeste parfois ses desseins. Moi, ça a levé pour vous. Revient yo oublie d'influencer la vie spirituelle de l'église. Le bon Dieu va ouvrir.
c'est pour influencer la vie individuelle. Et par exemple, et exemple, le son de Madianitla qui déprimait l'ennemi et encourageait Gédéon. Ça, qui encourageait Gédéon. Les Madianitla qui déprimait l'ennemi. Encourageait Gédéon. Et nous regardons que dans Juges chapitre 7, verset 13, et quand un chrétien dit qu'il a fait une révélation, ça veut dire que Dieu a parlé, Dieu parlait avec elle dans songe ou dans vision. Ouais, le chrétien dit bon Dieu parlait avec elle, moi, révélation c'est non, il dit que bon Dieu parlait avant dans révélation, mais c'est songe. Ça veut dire que bon Dieu parlait avant dans songe ou dans vision. Type de révélation ça capable classer en deux catégories. Il y a révélation personnelle, vérité communiquée par Dieu à un de ses serviteurs d'une manière personnelle. Ça veut dire que tu ça. Allez, parce que des bagages, bon Dieu, révélé ou leur songe ou leur vision, il pas baoul. Voilà, dit l'église là, voilà, dit monde. Parce que, il y a des bagages, voilà, dit, c'est scandale, voilà, fait. Des bagages, bon Dieu, montre, c'est briller pour prier sur les machins. Ah, c'est gros, si, monde, qui sort des bagages comme ça. Ah, des bagages, frère. Bon Dieu montre, c'est pas bagaille, c'est pas dit pour aller dire sous chair. Bon Dieu montre au lit pour crier. Il y a des choses qu'on peut répéter seul. Pour ces grands timons, pour qu'ils soient faits bagaille comme ça. Pas quitter mon sous pour toi, les gens. Ah, pas faire bagaille comme ça. Il y a une révélation personnelle, c'est bagaille pour lier. Bon Dieu, pas dit pour aller dire. Vous avez ça qui est arrivé, les bagailles, c'est bagailles privées ou qu'elles sont bon Dieu montre au lit. Il n'y a pas montre pour le dire conseiller. Il n'y a pas pour le dire pasteur. C'est bagailles pour lui, monsieur. Yeah? Et dans la révélation, il est classé en deux catégories. Révélation personnelle. Il y a révélation normative. Ces messages, bon Dieu, ou recevoir des bon Dieu, qui auraient de même valeur de ce qu'ils trouvent dans la vie. N'oubliez qu'il y a deux types de révélations. Il y a révélation personnelle, bon Dieu communiquer avec vous-même, et il y a personnel, il y a un bagage privé, il y a une parole, il y a besoin d'admettre le sujet. Et où même mon Dieu montre, parce que c'est un monde spécial de mon Dieu. Dieu communique avec vous. Lui joindre facilité. Comment les communiquer avec vous. Il n'y a pas à dire pour aller dire, pour aller craser l'église, là, pour aller camper, pour aller déranger que, pour aller faire le monde quitter l'église. Là. Parce qu'il y a une relation pour aller. Catégoriquement, il fait effet, frère. Il fait effet seul. Il y a un monde qui va le tuer avant l'heure, il y a des gens qui vont le marquer. Il y a des bagailles, moi-même qui parle à voilà, il y a une révélation personnelle. Elle dit que je ne peux pas l'expliquer avec moi. Il y a des bagailles, je ne peux pas le dire. Bon, il y a quelques bagailles, par contre, même parler, les gens appuient. Pour moi, quand on est appuyé, parfois, appuyé à l'heure, on va faire pratiquement, mais appuyé au théoriquement. Il y a comme dit que il y a révélation personnelle. Il y a des choses que bon Dieu montre ou parfois ou j'ai une confirmation bon Dieu montre l'autre monde et tout. C'est pas pareil pour parler. C'est pareil pour camper à ou. Il montre les plusieurs fois. Noir sur blanc, il montre lui camper, prier sur lui. C'est ça seulement.
Il n'y a pas à répéter. Il n'y a pas à répéter à vous-même. Même si on dit qu'il y a un secret, même si on dit qu'il y a un pour prendre des bagages qui étaient à vous-même seul. Pas faire monde raillot, pas faire monde sur avant l'heure. Il y a révélation normative, c'est un message reçu de Dieu qui aurait la même valeur de ce qui se trouve dans la Bible. Cependant, j'aime mieux. Pour la précaution, je dois être prise en ce qui est attrait à ces moyens de communication. Qu'est-ce une révélation? Parce que si on songe ou bien une vision, il n'est pas forcément un message de Dieu. Un songe ou une vision, pas forcément son message de Dieu. Vous comprenez? Donc, un songe, c'est un songe. Et une vision, c'est une vision. Et pas forcément son message de Dieu. Selon l'organe de la Jérémie, 23, verset 7. Et pas forcément. Elle dit, mon Dieu, il y a quelques bagailles ou carouilles. Il y a quelques précautions. Il y a quelques bagailles, mon Dieu, qui a montré ou de la vie. Il y a quelques précautions, mon Dieu, qui a montré ou pour plein. Il y a des corrections, mon Dieu, qui a montré ou. Vous comprenez? Il y a des mesures, mon Dieu, qui a montré ou. Il y a des bagailles, mon Dieu, qui a montré. On ne sait pas avec objectivité sur quelle base on doit interpréter un songe ou une relation. À moins qu'avec une personne qui a le don d'interpréter, le don d'interpréter de passe. Beaucoup, en pire chrétien, pour mettre une ça grave, une ça yo agissant suivant des songes ou des rêves, que au quoi c'est révélation divine. Comment? Il y a pas un seul, il y a pas un frère. Pourquoi? Il y a pas c'est pas bon Dieu Bruno, c'est pas bon Dieu parce que déguisé en ange de lumière. Il a déguisé en ange de lumière. On voit, c'est comme Dieu dit, on est bien en l'air. Il y a un songe avec vision, il n'y a pas forcément un message de Dieu. Selon Jérémie 23, verset 17. On voit, c'est vraiment, c'est et adversaire, il est déguisé en ange de lumière. Il faut sauver. Les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. Et Jean 4, verset 29. Qu'il faut sonder les esprits pour voir s'ils sont de Dieu. C'est pas toute révélation, même avec ce mot, que c'est bon Dieu. Ces expériences ne sont pas nécessaires et indispensables dans la vie chrétienne. Car de nombreux serviteurs de Dieu, durant toute leur vie, n'ont jamais eu de telles expériences. Frères, avec chers moyens, amis moyens, nous sommes parlés de révélation. Révélation, c'est. L'offre révélation, c'est vision à son besoin. Et bon Dieu révèle différentes manières. Il révèle par la nature, il révèle dans la conscience. Pour voir, il révèle dans la conscience. Et nous avons plusieurs exemples de serviteurs, mon Dieu. Pour voir. Et qui dégaine des révélations, qui dégaine des songes, des visions,
Révélation même, c'est révéler, dévoiler, faire connaître. Voilà. Et je suis avec frères amis moyens, en été dans la prière, dans la parole de Dieu, nous avons sondé les Écritures pour nous connaître, pour nous connaître les voix ennemies à parler dans la révélation. Nous avons sondé les esprits pour voir qui sont les cieux. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu capable fortifier vous seul. Je dis à l'école de connaissance plus avec vous. Et nous te lis dans 2 Corinthiens 12, verset 7. La parole et la révélation, différence de révélation, songe et vision. Ouais, avec ça, on était soudés dans la main, mon Dieu. On était. Et dans le pied, mon Dieu. Et si possible, même si mon Dieu t'a coincé ou accepté, c'est pour bien. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Toujours prêt à nous comprendre, toujours prêt à nous entendre. Toujours prêt à nous défendre. Nous sommes en Jésus-Christ. Restez soudés avec les Seigneurs. Restez dans la présence des yeux seulement. Ne va pas prier El Shaddai, ne va pas prier le Dieu révélateur de toutes choses. Le Seigneur des Seigneurs, qui est omniprésent, qui est omniscient, le révélateur. Pas excellent, le Dieu tout-puissant, le Dieu merveilleux, nous allons implorer lui, nous allons chercher face lui, nous allons chercher face lui dans le moment midi ça, nous allons marrer toute sauce ténèbre, tout jugement qu'a fait dans l'air, toute interpellation qu'a fait, tout incident, tout accident qui est nian pour le voir dans le moment ça, dans le moment ça, son moment. Qui est niant, marqué pour marquer sang, mais n'a pas dit où, le caché dans Jésus-Christ, ou bien caché, ou préservé, en y a mal, pas privé ou seul. Et restez soudés à Christ le Seigneur, restez dans la présence du Seigneur, et c'est là que vous êtes capable de porter succès, et c'est là où vous êtes capable en bien, ou capable à aller vers l'avant. Et là, que rêve vous capable de concrétiser. Rêve vous capable de venir en la réalité. Zami. Restez avec Zami fidèle ça. Nous voilà devant Yahweh. Nous voilà devant le grand je suis. Devant le Seigneur et Seigneur. Et nous voilà devant le grand Je suis. Nous voilà devant le grand Yahweh. Il est toujours prêt à nous comprendre. Nous voilà devant parce que il s'est maître de la bataille. Immortel et invisible. Dieu tout-puissant. Dieu merveilleux. Nous bénissons, nous exaltons au Seigneur. Parce que c'est mon Dieu. Au sans pareil. Car son secours qui ne manque jamais dans la vie de détresse. Le révélateur de toutes choses cachées. Et ça mis à dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, mais c'est une nécessité, malheur à moi, si j'annonce pas l'évangile. Merci pour l'évangile de grâce, Seigneur. Merci pour l'évangile de grâce. Merci, Seigneur, pour la révélation de ta parole. Merci Seigneur pour pouvoir, pour autorité, pour tout soit fait et pour tout soit continué fait. Merci Seigneur parce que les grâces vous suffit pour nous. Merci Seigneur pour auditeur nous. Et Seigneur, nous remercions Seigneur de ce côté bas nous la révélation en Seigneur. Merci Seigneur, papa, pour son jour, pour vision, Seigneur.
Il n'y a pas marché dans vision. Il n'y a pas arrêté dans vision. Il n'y a pas arrêté marcher et Seigneur. Parce que Seigneur, ces nouvelles visions, ça, ça mène nous au point de désirer. Je demande au Seigneur, il n'y a pas prêté soudé dans la présence de nous. Il n'y a pas prêté connecté dans la présence de nous. Il n'y a pas prêté dans la paix et la communion avec vous. Il n'y a pas prêté dans la présence du Seigneur. Au grand et merveilleux et tout puissant. Rien n'est impossible à celui qui croit, Seigneur. N'apprenez-vous dans la minute ça, Seigneur, ou capable et fait auditer nous, fait amis nous, rester dans la parole, puis vous capable de sonder, puis vous capable de sonder les Écritures, puis vous capable de sonder les Écritures, puis vous capable de sonder les esprits pour connaître. Sylvie de Dieu. Seigneur, le ministre, nous lever chaque monde dans la main, Seigneur. Vous êtes capable de diriger par vous-même, puis vous êtes capable de voir, puis vous êtes capable de volonté. Vous êtes capable de leur parler, leur bailler révélation personnelle et révélation normative. Puis vous êtes capable de Seigneur, leur bailler. Jean de révélation salut. Seigneur, yo ka konnen, Seigneur, qui ça pour yo faire? Qui direction pour yo prendre? N'a mandé au ministre ça soudé yo, Seigneur. N'a mandé connecté yo, kebe yo dans la croix, kebe yo dans la présence du Seigneur. Par grand ou merveilleux ou tout puissant. Leur parler l'éternité envahie par les hommes de variation. Seigneur, nous demandons d'ouvrir le paroi des cieux. Et nous demandons au ministre, Seigneur, prends l'épée, prends rachou, Seigneur, nous comptons sur vous. Et nous marrons toute puissance dans l'air. Nous marrons toute interpellation qu'a faite dans le moment ça. Nous marrons, Seigneur, tout sacrifice qu'a fait dans le moment ça. Tout incident, tout accident qui prend le fait. Arrêtez et sachez que Dieu domine sur l'action. Domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous notre défense. Seigneur, nous demandons de nous prêter dans la volonté, de nous prêter dans la part, dans la dimension qu'on voulait. Seigneur, nous avons des amis, nous avons des frères, nous avons des plamés. Seigneur, nous demandons de protéger, aider, guérir, nous demandons de fortifier. De compter présence ou de compter sous omniscience. Par la gloire, la puissance, au siècle des siècles. Nos chutes de Jacob.